gouvernement, commencer à entreprendre des démarches. Suivez, et c'est là l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la vie est intéressante, en pile. Gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays a contacté et a dit non. Pourquoi ? Je me pose des questions. Sous prétexte d'un embargo sur achat d'armes pour Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire, pour l'autre monde, pour nous capables plus clair, c'est que Haïti n'a pas le droit de débloquer quoi pour acheter des armes de manière légale. Vous allez m'ajouter ça ? Exactement. Non, non, vous allez m'ajouter ça de manière légale. Vous savez que le Canada ? Le Canada dit, bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas de matériel disponible, etc. Vous savez que le Mexique ? Le Mexique dit non. Pas gagné, donc gagné un bagot, pas gagné un problème sur Haïti. Il y a le tchèque en Israël. Je dis non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées pour l'acheter, bah, ça, les Israéliens ont dit il y a gagné, il y a des armes, il y a des bonnes armes, il y a des bons matériels, bon matériel, mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de cavane. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo aux armes. Il y a toujours Abdil dans la bouche, mais pas jamais mon pays campé pour dire non. Les gens qui sont allés, ils ont fait part de positionnement ça, de l'information ça, au Premier ministre, Ariel Henry, Premier ministre de la Transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. La discussion et échange, autorité dit, en pile dit, il n'y a pas au courant. Deux informations, ça. Et Ariel dit, mais côté me sortir avec. Et autorité commence à brûler. Je ne sais pas si c'est par stratégie, je ne sais pas. Parce que bah, devant le fait accompli. Parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Et dans le pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, négocie-moi. Combien a demandé pour gouvernement résoudre le problème gang? Et que le gouvernement n'a pas de pour résoudre le problème ça. Et c'est allié, vous voyez. Il y a autorisation à gouvernement Ariel pour acheter équipement à examen lourd que vous demandez. C'est ainsi. Équipe expert yo aller vini entrer film nan entrer en Haïti a consigné tout bagay et mercredi dernier yo rentré gouvernement payé $12 millions américains pour premier cargaison son premier $12 millions américains pour achat de 20 blindés chars qui est sous tête yo M60 à M50 blindé niveau 8 que zam nego gen ba ka passer. Attention, c'est information qu'on a ba que zam nego ba ka passer, même si vous voyez un gros grenade à fragmentation en balle, li pa secouer blindé. Donc nous allons avoir des matériels nécessaires pour la pénétration à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement. Maintenant, là, il y a une clearance, il y a une autorisation
Qu'on y a Haïti besoin d'acheter. Val, avant 12 millions. Ainsi, experts policiers, dépêchés par France LB, il y a le Canada. Et où il y a des gros matériels, où il y a des matériels. Mais pas oublier, tout pays s'est dit, pas gagné. Coup de battement d'État dit, bas autorisation, tout pays s'est dit, nous gagné. Mexique chargé. Canada pas de barrer là, il dit, sous le besoin 70 blindés d'un tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? Ceci, expert au déplacé, la police. Alors, département d'État des États-Unis? Oui, département d'État. Non, parce qu'il faut qu'on connaisse, pour nous, pour nous, est-ce qu'on qui est-ce nous et qui est-ce qu'il y a. Le département des États-Unis. Qui est-ce qu'il y a nous? Maintenant, qu'on y a, on va aller l'autre, on va aller nous. Bon, on va aller essayer l'équipement. Que la police t'a demandé qui correspond à la réalité, nous. Et puis, chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui t'a tiré en l'air. On a besoin de. Et ça, n'est pas choisi. Et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans quoi qui dit. Le film de. Le parle de qui c'est comme. Film n'est d'accord. Il faut le faire maintenant dans l'équipement. Et ça que tu as tué. Et ça que tu as tué l'autre négo. Zéphirin t'a acheté. Ok? Pour faire service dans l'équipement. Et puis, pièce de rechange. Qui a vu dans une quantité qui est tout disponible pour tout bien ça pendant des années. Et l'expert a venu pour montrer les négos rapides. Voilà. Dernière fois que la police a acheté munitions, il a acheté 4 millions et demi de balles, il est remonté à 10 ans. Et l'information m'a banni pour qu'on est. Donc, à qui est-ce que vous avez là, des nègres qui ont gagné balle chaque jour dans le maillot. Depuis 10 ans, la police n'a pas gagné. Donc, et moi, je dois dire, population, c'est la première fois, à moins de l'information contraire. Laissez-moi d'accord sur l'information contraire qu'on a prouvé. C'est la première fois qu'il n'y a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions. Là-dedans. Ah, c'est l'âme d'avoir venu. Non, attends, non, venu. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Carnaval. L'État haïtien qui a acheté, ok, pas d'intermédiaire la police, qui a une commission en bas, tout l'argent net, selon ça, ou dis-moi, Binavel, allez. Contrairement à ce qui est passé sous Jovenel. Avec Zéphirin. Entre temps, qui a acheté des matériels qui pas bon, et que lui est resté déjà chez Israël plutôt. Il y a ce matériel qui va bon et négocier font comme sur commission. Et Fonbal et tout le monde a dit Zéphirin a souligné que Zéphirin était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphirin seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est le président. Pas dit ça. Vous comprenez? La manique attaque, on est tout le temps, on est tout le temps. Et pourtant, nous qui fait la celle-là, il n'a rien ne dit que c'était pas un bagage voulu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, pas aller. L'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un Nathan Zibendi qui a un problème. Si non, c'est l'État haïtien. Ok? Donc, oui, l'État haïtien. Donc, un point important pour souligner. Nous avons parlé de chargeur encore déjà. Et habitude pour nous préparer l'opération pour aller dans la zone. Ok? Là, nous allons préparer. Opération. Il faut dire Nations Unies ça. Si vous ne pas dire ça, il va d'accord, non? Opération. Non. Et vous avez préparé l'opération pour aller Matissan et puis dit non, vous ne pouvez pas vous rendre. Non, Matissan. Non, puis dans le tabac et tout. Nouvelle mienne, même là. C'est pas que des grandes scènes. Oui, même là. Bon, qu'on y a notre nouvelle là. Blindéo supposé vini par avion. Pas bateau parce que ça prend trop de temps. Dans moins d'une semaine. Mes nouvelles. Pour une semaine, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population
c'est par avion. C'est aujourd'hui. Ouais. Depuis qu'on finit notre plat avion, on prend tout et puis le vin avec eux. On les attend. Oui. Au débarqué. Ouais. C'est pas où c'est mon capitaine, nous, moi tout. Moi tout. Bon, monsieur, vous me dites nous. Monsieur, vous me dites nous. Mes nouvelles. Mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous avons Gédéon, Yuri, dès qu'on va réagir là. Rapide, mais vous m'avez dit, monsieur. Nous avons 8 Chinois qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici, il y a 8 ou pas. Il y a 6 à Delma 83 et 2 dans la zone de la Cour de cassation parce que vous avez un travail pour aller faire dans le ministère de l'économie et de la finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qui fait relation internationale. Donc, je dis, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Ah, dis donc. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans la Sosinia, comme le Brésil, Nicaragua, ou bien Venezuela, qui vire à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, ok, zone d'influence. Si ils ont quitté, bah, ça a passé comme ça en Haïti, par rapport à Chazam. Ça veut dire, blocus s'est fait, en bas, vous avez gagné, suivez bien, monsieur. Donc, ils ont obligé, bah, les clients, parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Je vais expliquer pour qui ça. Mais qu'est-ce que ici, nous l'avons joué au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 l'a dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 l'a dit, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Américains a soutenu par ouvrir les troupes en Haïti. Là aussi, la Chine a soutenu, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Si un Haïtien a demandé ouvrir les troupes, donc les troupes ont vu en Haïti, le ça, la Russie, le Brésil et autres, pour aller des pions sur une zone-là, il y a contrôlé géopolitiquement zone de pénétration. Donc, pour éviter que la Russie avec la Chine vienne en Haïti, ils ont levé un embargo pour acheter les armes. Comme ils ont dit, Haïtien, gouvernement haïtien, 10 et chapitre 6, nous ne voulons pas troupes venir pour venir porter nous secours. Laissez-nous avoir une autorisation pour nous capables d'acheter les armes. Si ce n'est pas de ça, nous allons avoir autorisation pour acheter des armes. Et Haïtiens, même si ils ont besoin, ils ont besoin de troupes. Donc, le gouvernement, Ariel, etc., les États-Unis ont la même position que les Nations Unies. Donc, Ronald dit qu'on y a acheté des armes, parce qu'on va dire acheter des armes, et puis nous dit, nous avons des troupes, ils va dire, faut qu'ils quittent nous, indépendants, son pays souverain que nous, c'est nous qui achetons des armes, nous pouvons combattre contre Mandio, donc pas de troupes à venir. Donc, à partir du 15 juillet, prenons une séance dans le Conseil de sécurité et il n'y aura plus de troupes à venir en Haïti parce qu'on a une autorisation pour acheter des armes, messieurs. Donc, au final, c'est la décision des États-Unis et de nos autorités. Mais décision peuple haïtien lui-même, c'est sécurité le besoin. Donc, on y est maintenant. Si nous jouons une sécurité, donc pas bien trop de problèmes parce que si les armes achetées, ça va permettre que nous combattons sécurité et insécurité. Hein? Ah ben écoutez, si nous combattons la sécurité, on ne pense pas qu'il y a un problème. Ou elle t'a compris, mais ça bien. Mais comme c'est un comme peu... Comme si une zone d'influence de la Russie, mais de ne pas quitter la Russie, ça. Brésil encore vient là, par rapport à ce qui passe là, pour venir nos troupes qui viennent là, pour gagner zone dans la mer, pour prendre espace, soit en Haïti ou en République Dominicaine, capable d'avancer de plus en plus vers la Grande Chine. Donc, faut que nous recevions de notre. Oui, monsieur, va s'en passer. Oui, exactement. Ouais, exactement. On va le garder qui ça va penser de ça. Non, est-ce qu'on comprend une question ouais. Oui, bon. Bon, nous gagnons, nous parlons au jeune maître Gédéon Jean. Maître oui. Gédéon Jean qui est en lien ça avec nous. Oui. Maître Gédéon, bonsoir.
Bonsoir Val, bonsoir Fan. Allô. DPC, bonsoir Marco. Allô. Allô. Allô, allô. Oui. Bon, on régler ça non. Allô. Bah téléphone non, volume ouais, téléphone non. OK. OK. Mais allô. Oh, oui. Mais j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir GPC. Bonsoir Fan. Mais bah le volume. Bonsoir Val. Mais bah c'est non là. Allô. Bon, entendez le nous êtes très bas, nous sommes très bas. Allô, Walter, Walter, viens donc. Walter, viens. Et pour nous régler, vous êtes réglé par ça. Ou bien. Du bon, son bon. Eh bien, ok, d'accord. Et nous partons de bien. Donc, ouvert la radio, il y a des problèmes. Donc, maintenant, vous entendez, gagner l'État haïtien qui parle à ses armes. Donc, des clients qui baillent autorisation des États-Unis pour que le gouvernement achète ses armes. Est-ce qu'on pense que le problème nous gagne, son problème ZAM seulement, achat d'âme seulement, ou du moins, comme vous présentez nous à Moun, est-ce qu'il y a de l'autre questionnement qu'on est capable de faire par rapport à dossier ça? D'entrée de jeu, GBPC, il faut me féliciter pour la profonde analyse qu'on fait. Hein. Ça permet que acteurs y ait des éléments, citoyens y ait des éléments pour comprendre que la crise haïtienne, des gagnants portés internationaux, il y a au-delà des frontières. Et ça a joué en Haïti, là, notamment la criminalité, l'augmentation de manière significative des cas d'enlèvement de kidnapping. Eh bien, non seulement nous devons analyser à la lumière d'une approche qui tient compte de paramètres locaux, mais ces aspects géopolitiques sont importants, surtout en prélude à renouvellement mandat et mission du jeune en Haïti. Il n'a pas rappelé que les Nations Unies en Haïti depuis 2004 a ajouté à ces trois missions, mais s'il n'a pas remonté à 1991-92 et GPPC, donc c'est 9 missions. Donc les Nations Unies ont une présence constante en Haïti. Et c'est pendant les Nations Unies en Haïti, la situation est vraiment dégénérée. Par exemple, GPPC en 2004, où tu as principalement deux poches armées, où tu as un bilan, où tu as un soleil, bien évidemment, avec des revendications politiques, Bagdad 1, 2, etc., au lot du kidnapping. Mais aujourd'hui, on a près de 200 groupes armés, bon, bien sûr, pas qu'à répéter tout, et on a un kidnapping qui a augmenté considérablement. Je me rappelle qu'en 2021, Haïti, c'était le pays qui gagnait le taux le plus élevé de kidnapping par habitant. Donc, c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que l'élément ça a commetté sous table permet que les acteurs locaux, notamment les politiques, acteurs société civile doivent venir en particulier, il y a comprendre un jeu qui vient là et nécessité pour nous porter des éléments de réponse qui cadraient à dimension question. Maintenant, je pense qu'on a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Qu'on est que je dis là, la police, il y a matériel qui va rentrer, des matériels appropriés, c'est-à-dire, on parle de 20 chars de haut de gamme, bon,